Comment ça va bien là? Bonjour Jean-Claude, comment ça va? Vous allez bien? Ouais, doucement. Ben, ouais. Dès que je arrive là, ma mère commence sur le feu. Comment ça arrive donc? Ben, nous avons fait un petit rôti parce que j'ai dit, on a deux mois, la viande, on a deux mois, pas. Ouais. Donc, ben, on a un peu habité, donc nous avons fait un petit rôti. D'accord, un petit rôti porc, hein? Ouais. Mais pas n'importe quel porc, ça, parce que ça, c'est du jarret. Du jarret, hein? Ça. Voilà, du jarret qui a été coupé déjà, hein, tout voilà. Est prêt, juste pour mettre dans, la marmite, là, parce que ça fait revenir à l'île pour l'instant. Alors, il faut dire que c'est du jarret qui vient de chez Alagama, à quartier français. Un petit big up pour lui. Voilà, comme d'habitude. Un petit merci, tout ce que tu fais pour nous. Ben, à chaque fois, nous, ça là-bas, là, nous, on a toujours un petit cadeau côté, on a toujours quelque chose côté. Mais pas rien qu'à nous, tout le client qui arrive, un petit geste, quoi. Et après, mais ça aussi. Bon, la pomme de terre aussi, des petites pommes de terre, hein, par contre. Mais nettoyer, mais fait bouillir, mais mettre de côté. Ah bon? Avec la peau qu'on fait bouillir? Ben, il fait bouillir la peau, après nous puis aller. Hein. Ah bon, il fait meilleur. Et après, après quand le retient fini là, nous mettre dedans avec le sauce. Ouais. Au moins, quand il misote un petit peu, il donne un bon petit goût. Ah, d'accord. Et avec un petit peu PSI, d'ici, à l'ancienne. Hein. Et PSI, ils mettent dans. Ils mettent si rôti, ils mettent pas contre au midi, hein? Non. Et à. Ah, quand le rôti a fait bien rougi, tu vois là. Et après, quand il a fait, nous plus deux gousses d'ail comme ça, deux têtes d'ail. Et après, avec un peu le thym, un peu girofle, un peu de sel, un peu de poivre, nous mettre dans un bol, nous mettre dedans et nous vider en dedans avec de l'eau. D'accord. C'est bon? Ben, elle est bon, là. Bon. Un rôti de jarret de porc façon Béarnais. Voilà. Là, on l'a dedans tout de suite. Ah, on va mettre de l'huile dedans, de l'huile à chasse un petit peu. De l'huile encore là. Ouais, hein? Sinon, on met un peu, moi là. Hein? On va mettre un peu aussi. Ouais. Parce que ça, c'est un plat, Bernard. Quand on fait revenir à l'île, là, on va mettre de l'eau fait cuire l'île après là. Ouais, après, on peut aller assise après. Ah, oui, ou bien aller assise après. Si on reçoit de bonnes invités, par exemple. Au moins, comme ça, on passe autre chose. Voilà, on passe autre chose, tranquille. Vous voulez un petit big up? Si, moi là, toujours un petit big up pour. Daniel n'a pas vie, demain il n'a pas vie, il va bien faire. Daniel, elle a un petit big up, 40 ans d'expérience, poids lourd, les pièces auto, un petit big up pour. Les bons, d'accord. Et okay. Les normal, il n'y a pas vie parce que l'émission, pourquoi passer? C'est dans une émission, alors. Ça. Ah, la dernière, on l'a fait. Okay, voilà. Donc, comme ça, il y aura deux émissions dans lesquelles il fait un petit big up alors. Big up, Daniel Amarante. Amarante, d'accord. Voilà, les pièces auto, quartier français. Pièces auto, quartier français, TP, poids lourd. Super lourd à tout. Voilà, d'accord. Bon. Les bons là. Ok alors. Hein? Ben là, nous voyons une de PSIA, de Lios. Ça, c'est étalé à mettre dedans. Hein? Un petit peu familialité, les missions avec de l'eau. Ouais. Hein? Ben, la mission avec de l'eau. Les bons là, on s'en met un petit peu de l'eau. Hein? Parce qu'on avait un feu de bois aussi ici. Mais là, on décide de ne pas faire feu de bois parce que, au moins, feu de bois, c'est de l'ennui, c'est qu'il faut que ça va y aller. Il faut que ça va y aller. Alors, on va faire la gaz là-bas. Mais après ça, nous, ça fait sur le bois. Ouais, après, ben. Toto, il vient, il fait un petit carré à l'air aussi. Voilà. Donc, mais là, en tout cas, dans ce petit plaisir créole. Hein, ces petits nœuds de culture. Voilà, donc maintenant c'est la changé, hein, vous l'avez vu. Le logo l'a changé aussi. Hein, la même culture. Nœuds de culture. Nœuds de culture. Voilà. Comment il dit nœuds de culture, mais nœuds de culture. Nœuds alors. N-O-U-T. Nœuds. Mais bon, allez, ben, elle est partie. Après, nous revient un instant encore au fur et à mesure pour voir un petit coup bien comment ça se passe le rôti de jarret de porc. Alors, le jarret est un petit peu plus dur, donc la cuisson va prendre un petit peu plus de temps tout à l'heure. Hein. En fin de vie en lit, hein. Ouais. Regarde, il n'a pas mettre de sel là. Hein. Là, il est bien naturel, là, hein. Nature, hein. Ouais. Nature, hein. Mais bon. On va préparer un petit peu de l'eau et on va mettre un petit peu de persillade dedans, un petit peu de sel dedans. Voilà. Hein. Pas beaucoup. De la persillade et lyophilisée. Voilà. Voilà, au moins quand ils mettent de l'eau dans les gaufres, un petit peu cette persillade là. Ouais. Hein, c'est comme dans les grandes surfaces et tout ça. Ouais. Hein, et là, on déglace avec toujours un peu, alors, hein. Ouais. Ils mettent pas tout le bouquet d'eau là, ils mettent tout déglacé un peu. Ah, le PSI donne les couleurs. Ouais. Hein. Il voit, lui là, regarde. Et là où ça fait cuire comme ça là, hein, jusqu'à un bon bout de temps, hein, sans rien d'autre dedans, qu'un petit peu de sel avec un peu de persillade dedans. Hein. Voilà. On aurait pu faire un peu de persillade aussi naturelle, non, hein, un petit peu, enfin naturelle verte, hein, mais on l'a rendu lyophilisé. Ouais.
Voilà. Là nous, il faut prendre un bout de temps, alors. Bon, pas longtemps, mais... Pas longtemps, mais un petit peu. Nous, on a un petit créneau pour aller battre un peu carré, alors. Mettez un peu la table. Hein? Mettez un peu la table. Allez, bon. Ah, ben là, le pomme de terre est bouillant. Ben, non, mais tu fais. Tu fais. Hein? Ben, oui, après, t'as l'air de mettre de l'eau. Pour plicher les meilleurs. Ben. Pour plicher les meilleurs. Et puis là, où t'en prépares, où tu sors, là? Ça, là, on a là dans les oignons. L'ail. Mais pas l'ail écrasé, hein? L'ail aussi. Comme ça, après, il fond, hein? Ouais. Et moi, on va le mettre encore un petit peu de persillade dedans. Voilà. Hein? Persillade dedans et un bon sautin. Un bon sautin. Un petit peu de poivre, un petit peu de girofle. Girofle et persil entier aussi, on le mettre dedans parce que William fait joli, ou? Hein? Donc, je pense que quand ça sera fini, ça sera excellent, non? Ah, ben, bien sûr, bien sûr. Et après, là, hein, comme il est gros, là, une fois une cul, là, on recoupe un petit peu à taler à la fin. Le tronc, ça y a pas fou. Après, une petite sauce mettre dessus. Ouais. Ben, elle est bon, alors. Hein. Bon. Ben, nous, on a le temps, il faut nous laisser aller cuire. Hein, parce qu'un jarret, il faut les fondre dans la bouche. Il faut les fondre. Hein, parce que là, les cuits encore, il y a rien. Hein, noir, il a les cuits encore, là. Hein, et il y en a encore pour cuire. Hein. Ah oui. Ah, ouais. Non, comme moi, pour deux autres temps. Peut-être pas deux heures, mais. Hein, une tonne. On va mettre un petit peu de l'eau pour mettre de l'eau. Là, c'est cuit. C'est comme ça qu'il fait des bons mangers, comme ça. Il cuit longtemps, comme ça. Et le feu n'est pas trop fort. Hein, juste comme il faut. Voilà. Si le feu est trop fort, c'est Zali. Là, on a fait de l'eau, hein. Là, on lève les hommes mangés. Là, tu cuis, hein. Un temps, 15 minutes. Hein. Tu n'as pas besoin de tout. Là, on s'en met ça. Et là, maintenant, on change de l'eau. Là, j'ai toute de l'eau lavée. Hein. Bah. Donc, bon, il n'y a pas trompé parce qu'il pète un peu. Hein. Il pète un peu. Là, on va refaire revenir un petit peu. Vite, après, on s'en met ça. Maintenant. Là, on met vite ça. Là, on s'en met toute sauce. Hein. Tout est cuit. Ouais. Voilà. Pour rajouter un petit peu de l'eau là. C'est l'instant, on va laisser les manger un petit peu dedans. Voilà. Hein. Parce que les épices, ils prennent bien la chair. Et puis, voilà, on rajoute de l'eau. Hein. Ça, s'il faut, c'est pas fait revenir. Elle est trop longtemps parce que sinon, elle vient du assis après. Ouais, elle vient du assis. Là, regarde là. Trop, elle est cuillée, on a bien. Ah, hein? Ah, ouais. Hein? Mais déjà, l'ail est cuit, déjà, il y a. L'ail est cuit. Hein? La sauce là, ça fait seulement la sauce. Ouais, là, c'est un petit peu de cuisson encore, là. Ben oui, regarde ça. Il sert tout seul. Ah, il sert tout seul. Ouais. Il a vraiment un petit coup, là. Ouais, effectivement. On est bon, alors. Ben, il est bon, là, nous l'attendons comme c'est instant. Quête pas, mon frère. Il est bon. La manger. Allez. Bonjour, Jean-Claude. Vous voulez bien? Toujours. Fait plaisir, waouh! Le vendredi, maintenant, c'est une journée idéale pour nous. Parce qu'on connaît que dans l'Australie, on soigne tellement bien. Et là, avec sa noix de pain. De pain, fromage, hein? Fromage, et puis trop, hein? Ben. On a Patrick. Patrick aussi avec nous. Après, le grand chef cuisinier. Le grand chef cuisinier. Hein? Ben, Choupin. Ben à comment? Ben à Choupin. Ben on a vu comment on y traite. Non, des... ben, il n'y a pas le Choupin. Ben à Choupin, il n'y a pas le Choupin. Il n'y a pas le comme ça. Ben justement. Il n'y a pas le Choupin comme ça. Mais il a fait mal. Quand même, il y a où? Il n'y a pas le Choupin comme ça. Choupin. Je ne pas comme Choupin. Il n'y a pas le Choupin comme ça. Le point frère. Oui, mais il est déjà. Je ne sais pas le comment. Oui, mais il n'y a que ça. Il n'y a pas le comme ça. C'est pas comme Choupin. Oui, on l'a gagné. On l'a gagné. On l'a gagné. On les a dit tellement. Patrick, là c'est pas la paix tranquille. Parce que ça dit là, quand elle a commencé là, il y a rien de pire. Ouais. Et quand il y a un paquet dans la télé, il dit ça fait semblant, ça fait un pété. Attends, non, elle est comme ça tous les jours. Tout le temps, elle est comme ça. Mais ça se joue. Bon, Patrick, on ne fait pas rien, on dit blanc non. On dit non. Ah, il va lui donner un petit coup de main un instant. Mais bon, comment il fait pas? Comment il fait pas? Là, comme ça, par contre, Patrick, aussi, c'était là. Daniel nettoie les poissons. Allez, on va couper. Bon, Daniel, le patron, il n'est pas là, hein, pour l'instant. Hein? Les beaux. Mais bon, Patrick est là aussi, hein. Patrick donne un petit coup de main aussi dans l'affaire. On va trouver. Mais les beaux, alors. Mais là, ça se voit, alors. Mais oui, Jean-Claude. Comment tout le monde résout? Ben, c'est comme c'est fin de semaine, mais bon. Ben, maintenant, on a fait ouais, chez nous, là, il commence depuis jeudi. Le vendredi commence depuis jeudi, vous connaissez. Ça, c'est bonne chose idéale, ça. Ouais. Surtout qu'on est ici. Après, il y en a beaucoup de monde qui regarde nous et bon, les spectateurs, ils aiment bien. Ouais. Canal Austral, je tire au canal Austral, je dis, moi, toujours, fais un coucou pour Zot. Dans mon pays, je me fais un petit coucou pour Zot, mais il m'a fait oublier le nom. Mais il me fait un petit coucou pour Zot, après, avec les bons partenaires, comme par exemple la charcuterie à la gamme.
nous avons la sacre privée, nous avons la minatine, nous avons tout ça là, des fois, il donne un petit coup de main, il fait goûter à nous un peu de produits. Et les gars, allez bien. Et nous fait pas une publicité pour vous autres, mais quand même, si les gens ils veulent, ils ont le bon produit là-bas. Voilà. Vous êtes sassés, vous autres, là-bas, vous êtes dans des variétés. La gamme a beaucoup de variétés comme Minachi. Il est bien aujourd'hui, maintenant il évolue. Et il y a maintenant autre chose. Mais trouve les gars, comment de donner un choix. Toto, aujourd'hui, ça fait un carré poisson pour nous, un carré poisson rouge, comme on fait habituellement. Mais ça montre aussi comment tout le monde il peut faire un bon carré poisson rouge avec poisson de grande surface, poisson congelé, poisson rouge congelé. Quel que soit le poisson là, le poisson reste le poisson. Parce que le mot poisson, quelqu'un qui dit petit gros, c'est poisson blanc, vert, jaune, rose, c'est poisson même. Voilà. Mais après, on a la façon de faire. Ouais. On a le sauce qui est bien fait. Ouais. Le carré tombe bon. Et puis, il y a une façon de nettoyer aussi le poisson congelé. Parce que quand il est frais ou quand il est congelé, les différents. Hein? Mais toutes les affaires, comme ça. Ouais. Ou à monter à nous tout à l'heure, bien sûr. Il faut préparer. Il faut préparer. La préparation, il compte. Ouais. Ça l'est beaucoup. Et la cocotte, comme ça, on voit Patrick, comment il coûte à haut, comme ça. Là, hein, Patrick, hein? On va prendre des trois affaires aussi, Toto, hein? Oui. Zotèrement bien, Zot. Hein, Zoté là, hein? Non, attends, bien, on n'est pas sûr. D'accord. Parce qu'à chaque fois, quand Toto, ça fait un carré, il dit, il y a besoin de Patrick, hein? Il n'y a pas d'autre monde, il n'y a qu'à Ouli, hein? Bon, mais écoute, un instant, nous, ça va. Hein? Non, mais après, je vais dire demain matin, là. Patrick, mais pas là, Patrick, il a fait. Ah oui, et combien de fois où t'es pas là, Patrick, l'a fait, Patrick? Hein? Oui. C'est bien des temps. Hein? Alors, même, il fait un délire, non? Il a fait comme un rond, il était assisté. Assister. Non, c'est lui qui est venu le commis. Alors, Bon, ben, nous fait un petit coucou à Valérie, alors. Hein. Valérie le gros qui était avec nous dernièrement, elle nous a fait un petit carré cabaron. On l'assiste, elle dit. Hein. Un petit coucou. Oui, madame Cetama, elle a fait un carré légumes. Ah, Léopoldine, Cetama. Un carré légumes. Il y a aussi un carré longtemps. Voilà, carré longtemps, t'es bien aussi. Voilà. Ici, là, tout le monde y passe, tout le monde donne un petit coup. Mais après, m'a vu son garçon, mais son garçon vient me dire grossi. Je ne connais pas beaucoup. Mais la personne, c'est son garçon, il grossit. Regardez. C'est un petit dallon, ça. Un petit dallon, camarade. Et président au temple de Tibazar Oui, non. Il est devenu président Ravine Creuse. Ah, Ravine Creuse. Et il donnait beaucoup. Et pour un jeune moi-même, il m'applaudit à lui parce que c'est une bonne chose qu'il fait. Au départ, pour prendre un président d'un temple. Il faut un certain âge parce qu'il a beaucoup de convictions. Il est rare d'avoir un jeune marmaille comme ça, président d'un temple. Il faut beaucoup de convictions pour assumer tout ça, la responsabilité. Et comme il voit un jeune marmaille comme moi, et d'ailleurs tout à l'heure, il a dit, imagine un peu son vie. Bien sûr. Vivre un peu tout ça, mais le moment, il y aime. Ah, il y aime ça. Mais s'il y aime, il y aime. Son vie arrive après, ou bien peut-être la fin arrive parallèlement aussi. Mais après, pour la population, vous êtes, il entend bien, c'est un bon marmaille. Comment il appelle? Il appelle Vianney. Vianney, c'est ta main. Vianney, c'est ta main. Mais bon, c'est un super envoyé. Ah, super. Moi, il m'aimait bien. Ah, donc, c'est bien alors. Mais dommage, pas une fille. Hein? Dommage, pas une fille. Apolline, non. Non, ben, vous l'aurez fait un rapprochement familial. On connaît Jean-Claude. Regarde comment on est arrivé, moi, maintenant. Fille, garçon, connaît les enfants là, en bonne santé. Oui. Dis merci. Ah, ben, c'est vrai. On voit. C'est vrai. Après, il dépend de notre vie. Il arrive à un certain moment dans notre éducation, à un certain moment qu'il puisse être rien. Parce que j'ai fait manger, j'ai fait les hôtels. Donc, vous laissez ça aller. T'as tantôt pince un petit peu. Mais, puis tu trouves ça. Bon. Mais ça pour toutes les familles, ça. Bien sûr. Ton famille créole, là, quand tu es dressé où là, ben, oublie pas ce côté un grand monde déjà, pour le droit. Et après, quand on rentre pendant le mois, n'importe quelle heure, au moment où ils servent, s'ils ont dit, donne-nous la zèle, la semaine prochaine, on va donner la cuisse. Ben, c'est le moment où il s'est beau, mais aujourd'hui, qu'il est... on arrête les assaites de maman, le bon maman, il dit, prend tout. Mais c'est bon, l'évolution est comme ça. Bien sûr. Mais tant qu'il rajoute maman, il n'est pas grave. Hein? Mais t'es content, si j'avais moins 20 enfants. Mais t'es content. Alors, déjà, on a trois pas mal, non? Ah, mais le trois, on connaît. Mais dis pas le suffisant, mais les bons. Les bons. Bon maman, en plus. Mais il y a mon trois maman. Mais les contents, moi, j'ai mon dieu, mon trois maman. Bon, madame. D'abord, j'ai mon trois jolis garçons. Et puis, j'aime bien mes enfants. Bien sûr, bien sûr. Les bons. Bon. Faut espérer qu'un jour, madame va mener un petit enfant pour eux aussi. Ah, ben, c'est quand même normal. Point, ben, il est un petit peu gênant. Mais ben, comme il pose d'autres questions, il dit, ah, les autres, les bons comme moi. Ouais. Laisse les autres vivre. Ils ont profité de la vie. Ça, bien sûr. Non, non, tant pour tout. Et puis, quand on va gagner, on va gagner. S'il n'a pas visité, tant pis. Parce qu'il n'est pas là pour les grains. Hein. Un moment ou l'autre, il vaut bien nous disparaître. Bien sûr. Allez, bon, ben, bon, allons, fais carré poisson là, alors. Bon, Patrick, nous, ça va aussi, hein. Fais carré poisson là, alors, hein. C'est bon.
Ok, alors c'est l'onde de mange pas midi. Bon, allez, alors. Non, la pitre de l'onde, non. Là, c'est comme ça, on fait une tente de feu, là. Non, Jésus. Ah, mais rapide de feu. Ah, mais un petit flamme seulement. Donc là, il est bon, il est cuit, ça coupe. Il y a l'instant, là, alors. Après, à autant de plus pommes de terre. Pommes de terre, tu bouilles là-bas, là. Donc, il faut cuire le plus facile. Hein? Ouais. Et là, qu'on met dedans, il est presque cuit. Il est bon, hein? Non, les... Tu mélanges un peu seulement avec ta sauce, non? Non, il faut faire cuire un petit peu. Un petit peu, là. D'accord, là. Parce qu'il faut faire cuire avec le beurre. Ouais, ouais. Alors, tout autour, c'est un bon poisson. Mais là, parce qu'elle est gris. Elle est gris. Elle est où elle est rose. Et pas mal de belles apparitions là-dessus. Assez haut, drôle. Eh oui. Tout le monde me croit où hein? Ben oui. Des fois, si les poissons roses. Mais ils peinent. Ils peinent. Ils peinent. Ils peinent. Ils peinent. Ils sont roses. Là, on gratte, elle est bien. On a une petite machine pour gratter, ou? Ah, oui. Hein? Et longtemps, tu prends 2-3 capsules, tu pointes un petit morceau de bois, tu fais grattoir avec. C'est vrai qu'il faut châter aussi. À nos créoles, là, de toute manière, nous trouvons une solution. Pour n'importe quoi, nous trouvons toujours une solution. Nous parlons longtemps, tu n'es pas couillon. Ah, oui. Un peu bonne génération, comme là, la technologie. Ouais. C'est vaccin, nous. Ouais. Mais bon système longtemps, là. Ah, ben là, il faut. Ben là, il faut. Il respecte ça, bonne grand-mère. Mais là, tu connais. C'est pas ça derrière, Mido. Notre cuisine nous fait que aujourd'hui, nous connaît une merde. Et tout ça, nous a copié, Chibana. Vous comprenez là ouais. Après, le monde maintenant, après ça, il veut faire d'une autre manière, il va faire comme moi. Mais ben, longtemps, là, montre-nous même comment il fait. Montre nous comment il fait un poisson. Mais longtemps, quand il n'y a eu pas rien dans l'air préhistorique, là, comment Manat écaille poisson Manat Manat a été fait gris poisson avec les écailles. Manat, il prend capsule. Ouais, mais dans ta préhistorique, il pouvait. Capsule. Non, il n'y a pas de capsule. Il faut châter un point. Il faut châter aussi un point. Bah, là, tu as inventé un après. Un morceau de bois. Là, il peut, aujourd'hui, nous dit ponté. Ponté, c'est bonne tasse, mettre sur le tol. Ouais, ouais. Mais longtemps, tu ne fabriques pas en bois. Ben oui, longtemps, tu ne fabriques pas en bois. Tu fabriques. Ouais. Et bon. Après, la mettre en plastique, mais comme là, ils mettent plus aussi. Bonne mon la tol, là, c'est rigide. Ouais, ben là, tu es fort, même dans la tête. Parce que regarde, il peut longer, il peut rien. D'après, comment ça fait le pont river de la sang. Ouais, 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 ouais. Regarde les câbles, comment les tirer, comment les. Et comment ça tire ça. Là, il peut longer. Il n'y a pas rien. On dit, ben là, tu n'es pas intelligent. Ouais, ouais. La même technologie manuelle. Comme ça, tu appelles ça la technologie manuelle. Là, tu es fort. Hein? Aujourd'hui, quand on garde tout ce matériel, nous, là, et nous n'arrivons même plus à faire. C'est ce qu'il va nous faire. Bien sûr. Ouais, le pont, là, il vient de laisser un exemple. On a raison. Ben, hein? Oui, mais il prend l'église Saint-Anne, on prend tout le bon monument historique. Ouais, ouais. Ben là, la fumée. Après, il faut dire qu'avant, là, le temps, tu comptes peu. Hein? Le temps n'était pas forcément de l'argent. Alors, aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent, donc il faut aller vite, donc il faut trouver des solutions. Est-ce que vous connaissez, aujourd'hui, on dit l'île de la Réunion, avant de dire l'île Mascarelle, l'île Bourbon. Ouais, ouais. Est-ce que tu connais la Réunion depuis Dinamogovic? Ah, il y a très longtemps de cela, oui, Dinamogovic. Oui, bien sûr. C'est vraiment pas connu, pas. C'est pour ça qu'on a des restaurants, Dinamogovic, d'un hôtel aussi. Bon, on a fait un petit coucou à toute bonne nain, à Jean-Claude Boyer aussi, un grand camarade à nous, qui est aussi le patron de ces hôtels-là. Et ben oui, Dinamogovic, c'était le nom avant de l'île de la Réunion. Voilà. Et il me suppose que poisson rouge, comme ça, tu pêches tout autour de la Réunion, même aujourd'hui aussi, hein. Des fois, on trappe un peu, mais les rats, quand on trappe un, on ne trappe pas deux. Non, mais là, puis trop. Ah, puis trop. Tout le monde s'est volé. Ils savent les trapper. Et puis, il m'explique, on voit ces poissons rouges-là, là, ils appellent ça des mérous. C'est des sédentaires. Ben là, il reste un seul endroit, ils ne sortent pas. Et qu'on finit, je crois, au cadre d'un endroit, là. Avant, il y revient, là. C'est difficile, hein. La famille de mérous, c'est bon poisson. Allez, bon. Mais là, ça vaut l'instant, là. Ouais. C'est bon. Ah, ça va, là. Et là, pour remettre un petit peu sur le feu, là, alors. Ben, pour que la sauce rentre bien dedans. Ouais, les pommes de terre, un instant. Voilà. Ah, elle est jolie, hein. Elle peut goûter un petit morceau. Hein? Après, tout le monde va causer. Encore, on va dire comme ça, mais il n'a rien pour goûter. Mais. Ah, des bouillons, autres. Causer. Mais bon, hein. Après, la fin, on a rien. Le sel est beau, poivre est beau, un petit peu de girofle. Oui. Non, il sent le goût, le girofle, là. Un petit peu de girofle. Patrick, vous l'avez vu son rôti. Oui. Et comme les pâtes aussi, hein, aussi. On fait pareil, un petit peu différent, mais le rôti, après, il reste un rôti. Ah, moi, j'aime bien le rôti, quand fond de la bouche comme ça là. Ça là. Ouais. Ah ouais. Et par contre, dans tes quand tu vois un rôti comme ça là, là, pourquoi mettre son petit sauce, rien, il est normal qu'on coupe à l'île comme ça. Il est blanc, hein. C'est normal. Et après, on connaît sur YouTube, ben, il dit ouais. Là, explique à d'autres, t'es pourquoi mettre la sauce dessus.
Et là, le gros oeuf, là, vous laissez un petit peu la chair. On va remettre dedans aussi, hein, parce qu'après, ça ici, bien nettoyé. Bon, oulons un petit peu à la pouffée, et après, on se met dedans, hein. Mais attends, là, voilà, hein. C'est bon? C'est bon. On va remettre de l'eau marmite, comme ça. Et là, on coupe le deuxième. Et là, donc, on va remettre dedans. Et là, où ça rajoute les pommes de terre. Voilà. On va un petit peu la sauce, mettre dedans, un petit peu de l'eau, un machin, parce que là, il faut un petit peu de sauce. Hein? C'est pas de l'eau. D'accord. Ah, le reste de l'eau clavée là, là. Déglacer comme ça, là. Un petit peu de persil dedans, dessus après. Ben. Il est bon là, hein? Ah oui. Donc, c'est pas trop compliqué, pas de gingembre du tout, on va dire, moi aussi. Hein? Plus de gingembre avant. Hein? Sel, poivre, girofle, ça obligatoire. Ouais. Et après, un petit peu de l'ail, un petit peu de oignons. Hein? Il faut un zombie pour cuire l'enfer, ça dépend. C'est pas vrai, mais là, le feu est bon aussi. Hein? Ah, le feu est bon. Hein? Oui, un zombie, c'est pas de la viande, vraiment, mais une croque n'a 5 ans. Hein? Ouais. Sinon, on connaît que ça faut mettre dedans pour faire cuire bien la viande cochon. Du carbonate. Non, la racine cotomili. Ah bon? Ouais, ouais. Ouais. Maman fait un rôti normal, hein, on va te mettre pas charles. De moi, il met charles après une autre couleur. Ouais. Ouais, maman fait comme ça, hein, sans charles, sans rien. Hein. Ouais. Voilà, ben, elle est jolie, hein. Elle est naturelle. Sans ouais, charles, comme dans longtemps. Longtemps. Ben, sans charles, naturel. Avec ses petites pommes de terre à côté, là, qui nous prend un peu le goût de la sauce. Ben. Hein Voilà. Bon, ben alors, on est bon, non? Un rôti normal, sans aucun produit chimique comme des produits que maintenant ils mettent, hein, comme là pour faire joli, c'est un rôti normal. Hein. D'accord. C'est bon, c'est bon normal et comme ça. Hein. Mais il est cuit, il est fondant. D'accord. Hein? D'accord. Donc, ben, nous mettons un petit peu PSI d'ici là. Voilà, encore un petit peu PSI pour finaliser tout ça. Ouais, voilà. Et puis après, les bons, ben, nous dit merci Bernard, merci aussi Patrick qui était là aussi avec nous. Toto, quand on nettoie les poissons, ça c'est tout ça en dedans, là, il faut enlever alors. Non, mais ça c'est un poche. Un poche? Un poche, ça, c'est pour enlever le poche. Ouais. Pour trouver le sang dessous là. Pour le sang caillé dessous là. Ben, hein. Là, on mettait un peu dans l'eau pour attendre un peu. Ouais, et c'est ce sang caillé là, il faut enlever alors, hein. Voilà. Vous ne coupez pas toutes les épices pour le carré poisson rouge là, alors, hein. Hein? Tomates, oignons, l'ail. Hein? Le thym, mettre un petit peu dedans, non? Il faut donc savoir un peu le thym. Hein? Si c'est pas trop le thym, mettre un brésilien, non? Oui. Hein? Même une fois dans le brésilien, on a le thym. Hein? On va les garder. Hein? Hein? Tomates, c'est bon, on est là. Hein? Voilà, donc le plateau est fini. Hein? Et après, il manque un peu de gingembre, hein? Non? Oui, gingembre, monsieur. Hein? Bon, malheureux de gingembre, alors. Hein? Ouais. Mais ça, là, quoi, attrape gingembre pour vous? Elle est bon, alors. Mais reviens, alors, hein? Elle est bon. Bernard. Hey. Ou ça donne un petit coup de main de Toto là, ou ça rend un peu bonne verdure pour dire alors. Bah, et là, regarde, j'en ai ouvert, il y en a aussi, hein. Il y en a déjà là-bas. Il y en a aussi, j'en ai ouvert là-bas. Mais bah, comment il faut mettre les affaires, ou même il y en a pour être fait cuire, quand manger, les bons, il faut mettre les épices mettre là. Hein. Il faut mettre pas les épices. Il va mettre le thé, il dit, ah, mais pas les épices, hein, mais tandis qu'il y a besoin d'épices, hein. Il y a déjà nous, c'est les épices. Ça, c'est quoi, là. Le besoin, j'ai un jambe, dit, hein, la piège à un jambe partout, il est là. Il y en a aussi, on est la piège à un jambe. Quand tu l'avais, bon. Il y en a un peu l'enflure aussi, là, j'ai les jambes. Hein? Ouais. Regarde ça. Hein? Voilà. Il y en a un là-bas. Ah, j'ai les jambes bon, alors. Ben, ça marche. Toute la fourmi qui est. La fourmi? Ah, ben oui. Tiré de Poissy. Ton nez. Oh. Et voilà, piment. Un droit de piment.
Et là, en hiver, mais non, encore piment, hein. Ouais. Mais nous arrivons presque à la fin, là, non? Parce qu'après, bientôt, on n'aura plus, parce qu'en hiver, après, trop piment. Bah, après, on connaît quand même la fin, même pas un mois. Après, c'est... Oui. Comment on se connaît ici tout le temps, c'est l'été, les amis. Ouais, mais c'est vrai qu'ici, la plupart du temps, on a piment tout le temps, hein. Et parce qu'il y a soleil. Ouais. Supposons qu'on avait l'hiver, il n'y avait pas du tout soleil pendant 6 mois, alors. Hein. On n'avait pas de piment, ouais. Ouais, ouais. Ah non. Piment, c'est en été. Donc là, ça se poisson comme ça, ou ah. Comme ça, que ce soit l'air dedans exactement. Mais là, Wally, là. Hein? Là, Wally, là. Hein, il fait un gros plan dessus, Wally, là. Mm-hmm. Tout ça, il faut gratter. Ben ouais, là. Hein, mais ça est long, ça, après. Hein? Hein. Ben, tu fais pas. Hein? Après, ton Wally, il est pas bon. C'est dit qu'il gâte le carré poisson. Ah, ben oui, c'est tout. Fait combien de calories dedans? Ouais, ouais. Combien de calories dedans? Ouais, ouais. Tu comprends? Ah ouais, oui. C'est un travail fait à deux, hein. L'assistana. L'assistana ou bien l'assistance? L'assistana, il y a des affaires, hein. Vous connaissez? Et à où fait de riz? Quand elle veut faire la bombe, l'assistana. C'est un casser les cuisses, autrement. Et là, à où assis sur le côté, comme ça. Ah, hein? Et là, au prend le temps. Et avec un petit couteau, parce qu'on a un petit couteau spécial pour ça. Ah, oui. Hein? Et là, on enlève tout ça dedans, comme ça. Vous voyez? C'est ça qu'il faut enlever, hein? Ben. Voilà. C'est pour ça que vous mangez un bon affaire, vous prenez le temps, hein? Ah, ben tu te fais comme ça. Ouais. Tu prends pas le temps, là. Ouais. Ah, bien là, il m'a donné tout. Ben, si c'est un œil comme ça. Bien là, tu penses à moi, mon dentiste. Bon, ben là. Hein? Quand mon dentiste, il jouait de mon dent, là, hein? Ouais. Il est dans le petit madame à côté, il nous fait déjà un petit coucou. Hein? Et ben, Ali, il aspire. Au moins, comme ça, on ne touffe pas. Ah, parce que sinon, dessous là, hein, ou tout fait. Si t'es avant de rase tout tes dents. Rase tout mon dent. Déjà, pour, de, pour rase mon dent de chasse, c'est même mélange, mais il a dit que ça. Rase tout. T'as le docteur et mon chien là. Non, c'est mon docteur, elle est à l'éperon. Hein, c'est les dentistes des tamarins. Voilà. Et ça, tu as un petit là, la dentiste, c'est pas mauvais. Hein. Ah oui, ouais, comme là, on a des beaux dentistes. Hein. Alors, Julie, coucou. Comment ça va? Ça va bien. Ça va, ça va. Mm-hmm. Hein. On arrive un petit peu sur les tards, comme d'habitude. Hein, mais ben, bon, parce qu'on a des choses à faire. Mieux vaut tard que. Jamais. Non, on m'a pas dit ça, moi, là. Ben, on m'a dit mieux vaut tard que ne pas venir du tout. Ah ben, mais reprends un peu ce que moi et Bernard nous t'ai pu dire, donc voilà, nous t'ai accordé sur le même mot, là, pour le coup. Allez, bon, là, ok. Voilà. Mais Toto, ça coupe alors, le poisson, alors, hein, Toto. Bon, vous coupez les tranches alors, Toto. C'est bon. Le monde bien équipé, Toto, hein. Ah, ici, il manque pas rien. S'il manque pas rien, hein. Là, vous coupez les pas à tranches comme ça. Hein. Qui fait dire, bassin à la bouche, c'est bon, pour la boue. Pour la boue. Poisson gris et rose, pas couillard. Le marché avec poisson perdu ici, hein. Parce que ça fait une couillade. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la marmite là? On donne là le banc de pis. C'est quoi? C'est le poivre? Le thym, le sel non. Le sel à quoi? Hein? Poivre, poivre, le thym. Le thym, un petit peu magie. Magie, là. Si après magie, peut-être qu'il y a, hein? Ouais. Et après, un petit peu le... l'ail aussi, non? L'ail, un petit peu l'ail, c'est tout. Et là où ça massait cette viande qui est là, là? Parce que ça fait un petit peu grillade, là. Un petit peu grillade. Hein? On nous en met un petit peu la fessée. Parce que comme il y en a un monde de côté là-bas, et que maintenant là, je vais passer un petit affaire dans la bouche avant manger. Comme comment ça que on lui dit, passer un affaire dans la bouche. Hein? Mais on a fait vite, moi. Un petit affaire grillade, vite fait alors. Hein? Tu nous en es coupé là alors? Ouais, c'est bien. Bon, ou à renettoyer avec un petit peu? Ah, mais pas un petit peu de pied, t'as vu, des petits écailles. Petits écailles, hein? Puis qu'on l'a coupé, des fois, il peut avoir un petit écli. Hein? Ouais, ouais. Un gros passoir, il y en a dessous. Maintenant, comment faire les poissons? Comme d'habitude, de l'huile, des oignons dedans, hein, de l'ail dedans, du gingembre tout de suite après. L'ail, ben, ah ouais, on a bon petit peu de poisson là, hein. Ouais. Le gingembre tout de suite après. Pour l'instant, pas de piment, hein, parce que. Hein, mais là, la cruche-là est arrivée, la cruche-là a même piment pour nous. Parce que sur le pied piment, elle est piment pé. Bonsoir, Jean-Claude, comment ça va? Heureusement, le même piment, parce que sinon, ça fait une carrière sans piment. Mais sinon, non, mais sinon, si tu veux mettre sans piment, tu ne peux pas encore. Vraiment, piment, t'es fourni sur la route d'arrivée direct. Ouais, t'es pas là où sur la route, t'as pas encore de piment tout de suite. Voilà, voilà. Un petit peu le thym. Hein. Ouais. Tu crois des trois morceaux de bois? La bête n'est là-bas. Ah, mais bon morceau de bois là, il fait pas la braise. Eh, hey, mais mets la charbon si vous voulez, mets charbon. Ouais. Mais regarde, charbon est là, regarde. Il y a un sac charbon là. Hein? Avec charbon, il est meilleur, non? Ouais. Ben là, ça y brûle vite, ça. Charbon, c'est
prend son nœud pas pressé, hein. Ou une canne pour les couper ou là, aujourd'hui? Ah non. Ah, pas canne pour les couper ou là, alors? Donc, nous, on a le temps, on est bon. C'est le viande, là, Patrick, hein? Hein, on a massé à l'île, et où là, c'est reposé un petit peu, là? Oui. Après, le temps, le feu, il fait, hein? Voilà. Et tout autre temps, on la rajoute le piment dedans. Ah, 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 piment, non, pas encore. Le thym, par contre, avec safran. Et là, le piment, il arrive, hein? Toto, là, pas un bon petit peu trop piment, non? C'est ça? Qu'est-ce là? On va dire quand c'était piment, il mettait dedans là? L'eau de là, sous la moitié, quand même, battait-moi par terre là. Pas rien, quand même, monsieur. Toto, heureusement, on n'a pas marmaille, aussi, t'es là. Tu regardes, écoute, la marmaille là? Non, on n'a pas marmaille, là, ça aussi. On n'a pas marmaille. Rien que le chat là. Regarde le chat, il le chat, il tourne la tête. Le dire piment là. Mais bon, celle-là, laisse. Prends avec lui. Il va mettre encore un peu dedans. Prends qui? Et la tomate tout de suite, Toto. Hein? Alors? Coucou. On va regarder un peu le carré Toto. On va regarder un peu le carré Toto. Elle est bon. Mais vous connaissez son carré poisson? Oui. Vous l'habituez? Oui. Mais là aujourd'hui. Et ben voilà, hein, elle a bloqué un petit coup sous de figure, mais après elle a reparti. Hein. Mais je sais que tu bloques sur moi. ouais. C'est la caméra a bloqué, que l'image est restée figée sur vous. Donc on l'a repris. Ah ben voilà. Voilà. Mais fiche pas trop quand non, même. Non, mais fiche pas, moi. Non, bon. Non, pas trop. Hein? Pas trop. Ah, pas beau, les deux. Regardez, un film comme ça, donc arrête de te figer. Ah, c'est qui? C'est quel film? Avec Black Panther. Voilà, avec Black Panther. Voilà. Vous avez vu comme quoi que j'ai une mémoire de panthère, moi? Ah, ben tout à fait, mais là, je suis à la télé. Ouais. Mais les noirs, pareil. Mais il manque à moi un peu de l'uranium. Ah, ou c'est de... Black Lion, ou? Ah, ouais, Black Quindin. Voilà, Black Quindin. Voilà, c'est tout. Et ça s'arrête à là. Alors, Toto, il faut laisser le tomate bien cuit, bien attendu. Hein. Le thym est un petit peu défraîchi. Comme moi-même. Le thym aussi après un peu l'âge. Mais Toto, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est bon. Les saveurs encore plus fortes et l'arôme est encore mieux. C'est une bonne histoire de mon idée. Donne des mamies, fait que bon carré, la moelle comme 60 ans, tout ça n'est pas vrai ça. Mais Toto, il connaît pas ça, même après 60 ans, il peut commencer. Ah, il y a notre vie. Bon, imagine Toto, ta vie là. Demain, auprès d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Il y a une chanson là. Hein. Reggiani. C'est la déclaration. Voilà. Imagine ta vie demain autour d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Ah bon? Serge Reggiani. Dernier tour? Oui. Ah ben, mais ça, et le titre de la chanson s'appelle Il suffirait de presque rien. Ah, c'est peut-être 10 années de moins pour que je te dise. Voilà, ça c'est Serge Reggiani. Bien sûr, maman. Culture générale. Et là, on la rajoute bien entendu le poisson dedans. On la rajoute un coup comme ça, ou hein, on rajoute pas l'hypa, un petit morceau sur le côté, non? Pourquoi? Hein. De toute façon, quand il arrive en dedans. Ah, et après, quand tout en allie, coucou en allie. Bon, mais n'importe où, il a la manière, il fait ça avec délicatesse. Oui. Les gars, il y a aussi. Il est fait une affaire. Ah, ou même là, quand tu crois que c'est là, il crase pas, il y a les pourquoi cuits, hein. Il faut le monter comme là. Ouais. Après, là, tout se pue. Ouais. Ou sous cuit seulement. Voilà. Et il ne rajoute pas de l'eau. Et où cuit poisson découvert. Ah, vraiment, Miami fait comment? Et où cuit découvert. Voilà. Hein. Jamais avec son couverture marmite dessinée. Hein. Hein? Bon, regarde ça comment elle est jolie. Ah oui. La couche on le fait où là? Avec un coup de jet d'eau là. Elle lave un petit peu la grille. Hein. Lave un petit peu la grille là. Hein. Heureusement ici il est équipé, il a tout à faire. Oui, mais, hein? Mais après comme il reste dehors, on a toujours un peu de poussière dessus, donc on l'avalie. Hein? Mais bon, vous trouvez presque bon, il y a non? Ça met un peu charbon dedans. Vous mettez un peu charbon dedans? Bon. Et tout de suite, ça met un peu Charline. Alors, nous profitons, nous dit Charline, bon anniversaire, même si au cas, nous n'avons pas vu à nous entre temps. Hein? Ouais, ouais. Mais nous allons voir nous entre temps, hein? Semaine prochaine. Mardi. Hein, c'est bon? Oui. Bon, on ne peut pas dire bon anniversaire. Dis-lui bon anniversaire dans la télé. Bon anniversaire, Charline. Voilà, au moins comme ça, les fait. Ça
nous allons ouvrir, ça couper tout de suite. Parole de sucre a fini un instant. Ah, bien. Parce que poisson, ça l'a fait cuire vite, ça. Hein? Ouais. Moi, j'aime ça. J'aime ça, ah, j'aime ça. Quand les verres, là. Hein? Un petit peu garniture dessus. Un petit peu garniture dessus. Ouais. Hein? Verdure, c'est toujours. C'est bon, c'est un menu. C'est un carré. C'est un petit peu verdure dessus, c'est bon. Ouais, ouais. Tout le monde fait un carré de poisson? Ah, oui. Hein? Mais... Là, le nombre de fois qu'on fait dans la télé. Ah, oui. Hein? Voilà. Donc il faudrait vraiment que tout le monde ait fait. C'est bien à faire pour montrer. Ouais. Mais là, mais tous les jours, nous montons encore. Mais aujourd'hui, c'était un petit peu particulier. Nous parce qu'aujourd'hui, nous a montré comment cuisiner un poisson rouge qui n'est pas frais, qui est congelé. C'est-à-dire nettoyer. C'est nettoyer ce poisson-là, là, pour qu'il ait le même goût qu'un poisson frais une fois qu'il a fini. Il est pareil. Ouais. Et si vous donnez ça à un monde pour manger, il croit que le frais. Hein? Voilà. Vous avez vu, c'est un poisson rouge frais, il croit. Hein? Ah, mais les pas chaud, non plus. Hein? Les pas chaud. Les pas chaud. Ah, oulala, Toto. Monsieur, parce que regarde que c'est qu'on fait là-bas. Regarde, t'as un jeu maloya. On va aller là. Ah ouais. Secoue le poisson. Hein? Secoue le poisson. Secoue le poisson. Et bon. Ouais, un instant, nous mange alors. Oui, c'est honnête. Alors, comment on voit le carré de poisson? Il est trop joli. Il est trop joli? Dis ta vie, Toto, faire un carré de poisson, il n'est pas trop joli. Ouais, non. Hein? C'est rare. Même ça. Pas presque ouais. Joli. Ouais. Il n'existe pas. Non, non, non. Il n'existe pas. Hein? Ouais, ouais. Voir avec toute bonne tise à faire vieux, on le fait mettre dessus un instant. Hein? Tu me prépares là, Toto? Ouais. C'est top ça. Hein? Ah, oui. Ah, ouais. Ouais, ouais. Christian, comment est-ce? Ça va? Ça va? Bien, oui. Ah, ça va. Ou soit fait sport ou quoi? Regarde ça comme vous l'avez tenu de sport comme ça? Non, bagatelle fait frais. Bagatelle fait frais. En tout cas, merci bien. Hein? Okay. On va arriver un petit peu aussi à la fin. La cuisine est presque finie. Est bon. Mais la prochaine fois, on est dans le même petit coup de main. Oui. Elle est bon. Cet après-midi, on a des équipes, des groupes malgaches qui sont là. On a fait la musique malgache. Hein? Il a tablié toutes les. Il a tablié? Mais il fait valoir tablier là. Et moi, vu tout comment il est, là. Il est taquin aujourd'hui. Ah, je vous dis que pas que ça n'y est là, mais il a quelque chose. Ouais. Hein, ben, hein. Et encore, là, pour qu'on rentre si où? Hein? Là, pour qu'on rentre trop si où? Il ne peut pas. Il ne peut pas rentrer si vous en dites. Il ne peut pas rentrer si vous en dites. On va dire comme ça, il y a besoin. C'est joli ton gars. Ah, c'est le joli socar, il prend ça, il dit Rosamali. Ouvrez pas Midona ou la caméra, ça filme un peu sur cheville. Hein? Allez, on a suivi les Viennes. On a suivi les Viennes? Ben, filme un coup sur les Viennes. Ben. Voilà. Le dédié, on le. Ça nous coupe, hein, ça nous coupe. Ça. À chaque fois Julie passe dans la télé, vous êtes obligé de regarder toute l'émission, film par film, minute par minute, seconde par seconde, pour savoir s'il n'y a pas de bêtises. Dis pas tout, mon chéri, dis pas tout. Donc, on l'a vu sous les vernis, Toto. Ben oui, bien hein? Sûr. Regarde. Non, parce que Toto l'a dit comme ça, quand on dit là, viens, voilà, non, là. Dina a dit comme ça. Dina a dit comme ça que le carré poisson est bon. Et Toto l'a fait la réplique tout de suite en disant que, mais comme moi. Il n'a pas dit comme vous, il a dit comme lui. Mais comme lui-même, c'est pour non, ça que... Non, il a dit ressemble à lui. C'est pour ça que... Il a dit ressemble à lui. Christian, n'est-ce pas? Tu filmes son cheville. Il a dit ressemble à lui. Pas un petit peu. Non, pas trop. Ah, ça, c'est pas poisson noir, c'est poisson rouge. Peut-être que c'est un poisson rouge qui sort dans la mer noire, je ne connais pas, mais en tout cas, c'est un vrai poisson rouge. C'est un poisson mélangé, ça va. Non, non, rappelle. En plus, cette jolie couleur orange, ça fané comme ça. Les bleus, la mer noire et bleu. Les bons. Hein? Excellent. Les bons. Ah oui. Ah, ben les bons. C'est piment, goûte un petit peu, Christian, va dire. Non, non, les bons. La pas piment. La pas piment là-dedans. Non, la pas piment là-dedans. N'ayez qu'à nous la vu, hein. Christian, n'ayez qu'à nous la vu, hein. C'est moi la mixée. C'est vous la mixée. Ouais. Mais savoir un petit coup Patrick, parce que Patrick t'en fait des grillades de l'autre côté là-bas. Mais c'est pas Patrick, papa. Non. C'est un autre Patrick. C'est un autre Patrick. Voilà. Parce que ici, quand nous parle grillade, nous parle d'autre papa, nous. Oui. Avec ses gants noirs. Tout à fait. Hein? Voilà. Nous fallait un petit coucou. Oui, parce que dans les vacances, il va ni faire une petite grillade. Mais bon, d'accord. Ah, Patrick, là, on va t'aider sur le feu et puis où arrose, elle est quoi, ou là?
Ça c'est quoi? Un petit peu charme d'or. Ah, de l'eau avec charme, c'est bon. Hein? Des saletros. Ouais. Hein? Et là, ça sert vite, ça, non? Ça sert vite, ça. Un instant, on va un petit gadjak pour manger. Hein? Oui, ben. Hein? Ah, ben on a vu comme quoi que un instant ici, il fait affaire ici. Hein? T'es pas prévu au menu, ça? C'était pas prévu. T'es pas prévu, ça? André, ben. Il y a un petit peu de poulet à côté au cas où elle ne mange pas porc, mais il ne mélange pas le poulet avec le porc, là, c'est pas grave. Mais de toute façon, aujourd'hui, là, hein, la pointe, tout le monde, il mange soit il mange le poulet, le porc, il met la pointe de restriction, je veux dire. Hein. Ah, ça, c'est pour Christian. Mais décale un petit peu à côté de le porc, hein. Christian, nous décale un petit peu le poulet à côté de le porc, au moins, comme ça, on va y manger. Hein. Les bons, regarde, hein. Voilà. Le poulet, les pauvres. Hein. Et après, la poisson aussi. Le poisson, on mange. Hein. Voilà. Hein. N'a que porc, on mange pas, hein. Voilà, exactement. Mais fais un petit coucou à Cristal, ma fille aussi, parce qu'elle aussi mange ma porc. Ah, ouais, ben d'accord. Ouais. Cristal, ma fille, ma grande fille. Oui, ben oui. Voilà, voilà. Ben. Cristal, oublie pas moi vendredi, hein, vendredi soir. Fille de bosse matin, elle dit. C'est bon. Elle dit pas moi, elle dit pourquoi. Non, mais il y a vu sur le planning, il écrit. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas là-haut. Tu ne m'as pas invité, moi. Je dis, ben où, vous l'avez invité ici, chez où hein? D'office. Bien sûr. Ok, alors, les bon. C'est bon là, hein? On a fini, regarde. Banane arrivée, nous avons une équipe de Madagascar aussi qui est là en train de préparer la scène. Le poulet n'est pas bon. Le poulet pas bon? Et pourquoi le poulet est plus long? Hein? Et là, ouais. 4 citrons la poule. Ah, ça, citron la poule, ça? On va mettre ça comme ça dessus? Non. Très bon. Je vais le goûter, vous? Ben oui. Allez, patron, goûtez un morceau. Et là, moi, il faut goûter un morceau. Et après, tout le monde va dire comme ça, mais il prend tout le temps, il goûte tout le temps. Voilà. Mmh. Allez, vas-y. Elle est chaude. Mmh. Va goûter. Allez, oh, Julie. Hey, le citron orangé donne un bon goût. Hein. C'est Patrick, viens. Alors, Julie. Et top plus à faire. Hein. Et la saisonnement, elle est bon. Hein. Mmh. Impeccable. Mmh. Mmh. T'es déjà assaisonné, ça? Non. Brut, c'est Patrick qui a assaisonné. Ah mmh. Bon ben. Et le grillade aussi. Mmh. Mmh. Ouais, merci bien. Avec des citrons extra. Ouais. C'est bon? Ça va. Ça va? Ouais. Ça, c'est impossible, le petit plat. Mieux que ça, impossible. Ouais, vendredi. Ouais. Là, nous avons un petit bout de. Bon, ça, c'est. Ouais. Ça, c'est un petit grillade pâté café. Grillade pâté café, ouais. Hein? Ouais. Les tendres. Ben. Ah, elle est bien tendre, hein? Ah, oui. Hein? Il fait penser à moi, une petite affaire à manger hier soir, un petit magret de canard hier soir, t'es tendre, hein? Hein? Ah, ouais. Mm. Ouais. Hein? Ben. C'est bon, hein? C'est bon. D'accord, là. Bon, Toto, nous retrouvons la semaine prochaine. Enfin. Tout le temps, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est bon? Hein? Richard nous a l'arrière-plan. Bah, salut, Richard! Salut. Hein? Richard qui prépare la scène pour pouvoir. Pour une équipe de malgache. Ça s'appelle comment? Dial Bessin. Ouais. Ah, d'accord, alors, les bons. Toto? Noavi. Ah, Noavi? Noavi, alors. Les bons Noavi. Allez. Alors, Julie. Oui, c'est bon, c'est fini? Oui, c'est fini. Donc, voilà, on va manger. Ben, au revoir. Bon appétit à tous. Et nous retrouvons ben, à la fois prochaine hein, pour une autre émission. Bisous. Bye bye.